Alors, professeur, il a dit la salle Elvire Popescu. Je suis très encanté, je suis très honoré de ce fiu aici, cu dumneavoastră, pentru lansarea acesta la sa rotunda despre comunism și mai exact despre o carte despre doctrinele internaționaliste în timpul anilor comunismului real în Europa. Eu cred și sper că această noastră rotundă va fi o adevărat dezbatere scientifică și va contribui la vocația cercetării scientifice. Eu vă mulțumesc pentru atenție și voi continua în limba franceză. Pas mal, mieux. Le roumain. Bon. Chers invités, chers professeurs, chers amis, mesdames, messieurs, chers étudiants aussi, je dois dire que lorsque Sylvia Barton, qui est à la fois un pilier de notre coopération avec la faculté des sciences politiques de l'Université de Bucarest et une amie de l'Institut, nous a sollicité à propos de la tenue d'une table ronde visant a présenté l'ouvrage « Les doctrines internationalistes durant les années de communisme réel en Europe », je n'ai pas longtemps hésité. La matérialisation concrète du communisme dans les pays du bloc de l'Est, ou communisme réel, est souvent opposée au communisme en tant qu'idéologie contestataire à l'Ouest pour expliquer les différences des doctrines internationalistes de l'époque. C'est cette idée reçu que les auteurs du livre ont voulu confronter à la réalité à travers différents témoignages. La liste des contributions constituant l'ouvrage suffit à monter l'approche élargie voulue par les auteurs. Elles sont issues de plus de 20 spécialistes de nationalités diverses. Les Tchèques, Pavel Sturma, il y a beaucoup de gens très, très éminents qui participent à la rédaction de cet ouvrage. Comme vous le savez peut-être, cette étude fait partie d'un projet plus large intitulé « Justice et droit international dans un monde global » dirigé par le Centre d'études et de recherche en droit international de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en collaboration avec l'unité mixte de recherche de droit comparé de Paris. Ce livre, présenté aujourd'hui, est le résultat des travaux effectués dans l'un des 4 sous-programmes de ce projet, en partenariat avec l'Université de Bucarest. C'est un exemple, parmi tant d'autres, qui témoigne de la vigueur de la collaboration franco-roumaine. Et je profite de l'occasion pour saluer les membres du Collège juridique franco-roumain présents dans le public. Ce Collège juridique qui, avec l'Université... la faculté des sciences politiques, sont les fleurons de notre coopération. Je rappelle, très utile, que la faculté des sciences politiques vient de signer avec l'école des hautes études en sciences sociales un master conjoint en langue française. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans l'introduction de l'ouvrage, mais j'aimerais évoquer un dernier point. Les cours renvoyés par cette étude en Roumanie, bien sûr pas anodin, le communisme a été une réalité pour les Roumains, une réalité dure et pénible pour les Roumains, et les stigmates du régime, matériels ou moraux, sont encore présents. Ce genre d'étude doit être développé pour que ce pays puisse continuer à aller de l'avant. Je parlais de projet commun avec l'Université de Bucarest. Je voudrais à ce titre rappeler que cette université, en partenariat avec le NEC et la nouvelle université bulgare, souhaite faire de la Roumanie, et de sa capitale en particulier, un véritable laboratoire d'idées dans le domaine des sciences sociales via le futur Centre régional francophone d'études avancées en sciences sociales, le fameux CEREFREA. C'est pas très joli, on vous trouve un nom. L'ambassade de France et l'Institut français de Roumanie ont souhaité participer à la jeunesse de ce centre en mettant à disposition nos anciens locaux
de la Villa Noël, située dans le quartier de Doromance. Donc nous, aujourd'hui, en plus, nous avons la chance d'avoir un cadre désormais permettant de labelliser et de financer des laboratoires mixtes, franco-roumains, dans ce domaine. Il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir, Sylvia, Florine et beaucoup d'autres. Il faut s'en saisir et répondre aux appels d'offres en cours. Il n'y a pas beaucoup de temps, notamment, je pense à l'appel d'offres en cours, l'appel plan international de l'ANR, qui sera fermé le 7 janvier prochain. Il faut aller vite. Voilà, enfin, je tiens bien sûr à remercier tous les intervenants et le public ici présent pour leur participation à cet événement. Je souhaite que ces discussions d'experts et de scientifiques soient intenses et constructives. Merci, va vous soumettre pentru attention și Salvatore Fericit. Merci. Cet aimable accueil avant tout. Merci beaucoup pour vos paroles. Et nous sommes des mimiques. Ah, pardon, je reprends. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour vos aimables paroles. Et vraiment pour cet accueil si chaleureux. Et puisque nous y sommes donc à l'Institut français, je tiens moi aussi à souligner vraiment l'activité richissime de cet institut et de l'ambassade depuis ces dernières deux, trois années, surtout, des projets très, très nombreux pour soutenir la francophonie, la recherche en langue française, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Il nous faut défendre nos positions en sciences sociales, sciences humaines en langue française. Mais, bien sûr, l'activité de l'ambassade et de l'Institut français ne se limite pas à la recherche, mais la variété des activités sont là, vous n'avez qu'à consulter, je vous l'invite, puisque vous êtes beaucoup de nos étudiants ici présents, les étudiants de la Faculté des sciences politiques, consultez régulièrement le site de l'Institut français, vous y trouverez plein de choses liées aux fêtes, à la Saint-Nicolas, pourquoi pas, mais liées également donc toutes les activités culturelles et scientifiques. Merci beaucoup à tous qui sont présents à cette table ronde. Je vais faire rapidement un tour de table, permettez-moi de le faire brièvement, avant de leur donner la parole. D'abord, je salue Yulia Motok à ma droite, juriste et politiste à la fois, praticienne également du droit. Praticienne du droit depuis des années dans différentes commissions internationales et au sein de l'ONU. Mais quelqu'un qui vraiment réfléchit régulièrement sur le développement du droit international et des institutions internationales. Le livre que vous voyez affiché, dont la couverture est affichée ici sur l'écran, est un de ces derniers produits de cette réflexion dont parlait également Monsieur le Conseiller, une réflexion collective. Et certainement c'est l'auteur, Yulia Motok, qui va nous parler. Ensuite, je vais inviter Monsieur Teodor Meleșcanu, un juriste et également un praticien de la politique et du droit depuis de nombreuses années. Et donc je vais l'inviter ensuite de commenter un peu notre livre. Ensuite, nous avons à nos côtés Christian Preda, qui est un politiste, et ce sera le point de vue du politiste et un philosophe du politique, un philosophe certainement du droit, où nous allons en débattre également. Et certainement pas en dernier lieu, à ma gauche, Ion Stanomir, juriste et politiste à la fois, spécialiste du communisme en même temps, donc le communisme comme réalité institutionnelle, puisque nous parlons de la réalité finalement aujourd'hui, la réalité du communisme. Mais avant et ensuite je vous propose de continuer un dialogue avec vous, la salle certainement, avec les intervenants qui vont stimuler vos questions, vos commentaires, vos colères, je ne sais pas, vos réactions passionnées ou moins passionnées. Mais avant tout cela, donc, je donne la parole à Yulia Motok pour nous parler un peu de ce livre, de sa création, de son contenu. Merci, Yulia. Je remercie beaucoup à l'Institut français, à Monsieur le directeur aussi, à Sylvia pour l'organisation de cette table ronde.
Et je me réjouis parce que on est une faculté peut-être maintenant qui a plus qu'il y a 20 ans, mais en même temps, je pense qu'on est une faculté assez jeune. Et je me réjouis parce qu'ici, autour de moi, il y a des collègues avec lesquels j'ai commencé à travailler à la faculté de sciences politiques. Et d'abord, je veux saluer la présence de M. le professeur Tudor Meleshkanu, à laquelle j'étais l'assistante dans les années 90. Et avec lequel j'ai commencé à travailler à la faculté de sciences politiques dans le domaine du droit international, on a fait un manuel au milieu des années 90 et on avait beaucoup des activités ensemble. Aussi Christian Preda qui était tout au début de la création de la faculté, comme M. Meleshkanu aussi, on est parmi les fondateurs de cette faculté. Et avec lequel également on avait beaucoup travaillé au milieu des années 90 dans beaucoup de revues aussi des livres que Christian Preda avait édité, notamment sur le manifeste du Parti communiste, le livre sur les spectateurs engagés de Raymond Aron et des autres initiatives. Aussi, je suis très contente que notre fondateur de la faculté Jens Tanomyr est parmi nous. Il était tout le début dans la faculté. Et bien sûr que la personnalité, si vous voulez, très multiple de M. Tanomyr l'avait fait d'avoir une activité pas seulement dans le droit, mais aussi dans la littérature, comme vous le savez très bien, mais également comme un des plus grands spécialistes du pays dans le communisme. Je suis très contente qu'il est là. Sylvia Martin, à l'époque, était notre étudiante, parce que je reviens toujours il y a 20 ans. Donc, elle fait partie des générations, de la première génération de la faculté. Bien sûr que maintenant, la plupart sont nos collègues à la fac, donc sont professeurs comme nous. Donc, peut-être que c'est le grand avantage de cette faculté. Aussi, je suis très contente que notre fondateur de la faculté, M. Tsurkan, Florine Tsurkan, est ici. Et avec lequel elle avait commencé à travailler également au début dans les années 90 et qui aussi on avait collaboré dans beaucoup de projets de la francophonie et qui maintenant a une chaire très importante dans le domaine de la francophonie également. Il est impliqué dans ce master que la faculté vient de faire. Et c'est pas une coïncidence que celui qui a fait la couverture de la fac, c'est également M. Perjowski qui avait fait également la sigle de notre faculté. Donc voilà, il y a toutes des choses qui sont liées à cette filière francophone qui était une des premières en Roumanie, je dois dire, et à laquelle je pense qu'on a contribué. Comment l'idée de ce livre m'est arrivée? Il y a assez longtemps, il y a peut-être maintenant 4 ou 5 ans, où quand j'avais cette idée, j'ai parlé avec ma collègue Emmanuelle Joannet et on a pensé de faire ce livre. Pourquoi? On a pensé de faire ce livre parce que on a dit avec Emmanuelle qui enseigne à la Sorbonne et qui est une des plus grandes théoristes de droit international maintenant. Je pense pas seulement en France, parce qu'elle est traduite aussi en anglais. On a pensé que l'analyse du marxisme, l'analyse du droit international et le marxisme, est faite d'une manière très unilatérale. Parce que les livres qui sont sortis la plupart après la chute du communisme, ils tiennent compte seulement le marxisme en tant que philosophie, en ne faisant pas la liaison entre le marxisme et le communisme. Donc, ce qui peut avoir l'air un peu banal chez nous ici en Roumanie, il n'y avait pas vraiment un développement dans le monde du droit international. Et je pense que c'est l'originalité de ce livre. Et en faisant maintenant une parenthèse, je dois dire que certainement c'est pour moi la première fois que je parle sur ce livre en Roumanie. Mais avant, tout au début, on avait une table ronde qui s'est passée à New York. À NYU avec l'aide aussi de l'ambassade là-bas auprès des Nations Unies et qui était faite dans la présence des professeurs avec lesquels j'ai beaucoup collaboré, Joseph Weiler, et qui dirige la revue de droit international, la plus importante revue de droit international qui existe en Europe, European Journal of International Law.
Donc, et qui, voilà, voyez cette initiative en étant très originale. Et donc, c'est la première table ronde qu'on avait fait à New York, je pense que c'était en juin. Par la suite, on a fait une deuxième à Genève, où il y avait la présidente de l'association de droit international européenne, Madame Laurence Boisson de Chasse-Nour, qui également avait fait les mêmes commentaires sur le livre. J'ai dit ça parce que ce que peut avoir l'air pour nous un peu banal, c'est vu comme quelque chose qui est très... pas forcément très original, mais aussi c'est une idée qui rentre, c'est pas facile de la faire entrer dans l'usage commun de l'analyse du communisme. Parce que quand on a commencé à faire le projet de livre avec Emmanuel, et on aura une conférence la semaine prochaine à Paris, par rapport à tous les collaborateurs, on avait un peu de difficulté à trouver les gens pour écrire dans le livre. Et je parle pas sur la partie théorique, et comme vous voyez dans la partie théorique, il y a beaucoup de des professeurs qui viennent de la Roumanie, et je dois dire que je pense sur le plan international maintenant, les plus grands spécialistes en marxisme sont d'origine roumaine, parce que on connaît maintenant, par exemple, on reconnaît maintenant internationalement comme Sigismondano, surtout après que M. Kolakowski n'est plus parmi nous, est considéré le plus grand spécialiste dans la philosophie marxiste, donc il avait écrit dans le livre. Aussi, je parle de deux autres romans, de Lavinia Stan et M. Turchescu, qui également sont considérés aujourd'hui un des plus grands spécialistes dans le domaine de la religion et du communisme. Donc on voit leur contribution dans leur livre, dans la partie théorique de ce livre. Où on avait des difficultés, c'était la deuxième partie, parce qu'il fallait trouver, comme Emmanuel avait dit, il fallait trouver des gens qui avaient, à l'époque, étaient des gens qui avaient vécu à l'Ouest et qui étaient des communistes, ou qui pensaient vraiment que le communisme était leur vocation. Donc ici, on avait un peu de difficultés parce que il y avait beaucoup de gens qui parlaient que ça sera peut-être un deuxième livre noir du communisme, donc ils n'avaient pas envie d'écrire sur ça. Donc seulement, ce qu'ils ont écrit, c'est pourquoi à l'époque, certains d'eux ont cru dans le communisme, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, pourquoi c'était vraiment, comme beaucoup des intellectuels de l'Ouest, c'était une de leurs... de leur raison de vivre, de leur rêve. Et également, on avait des collègues de l'Est qui avaient analysé les écoles de Rennes, par exemple, qui était une école très forte en marxisme, ou comme Emmanuel avait fait, l'œuvre de M. Chaumont, qui était un des auteurs marxistes les plus importants en France. Et je dois dire que, certainement qu'en France, la doctrine, la liaison entre le droit international et le marxisme était très, très fort à l'époque, dans les années, je pense, 60-70 encore. Et je sais que M. Berechkan avait étudié à Genève à l'époque. Peut-être là-bas, à l'Institut, il y avait moins de gens qui étaient liés au marxisme qu'il va nous dire sans doute ça. Mais en France, vraiment, il y avait une domination du marxisme dans le domaine du droit international. Et à l'époque où j'ai étudié en France, au début des années 90, quand j'ai eu mon doctorat, c'est vrai qu'à Aix-en-Provence, où j'ai eu mon doctorat, il y avait très peu de professeurs liés au marxisme. Mais par contre, à la faculté de lettres, j'étais étonnée parce que c'était tout au début des années 90. Donc tous les cours étaient faits par des professeurs qui étaient encore marxistes. Et à la faculté de droit, il y avait quelqu'un qui enseignait encore le droit de l'Union soviétique. Donc voilà, nous on venait de passer à l'année 89 et là-bas on enseignait encore le marxisme. Le marxisme était partout. Et je pense que vraiment c'était une expérience pour moi parce que c'est pas simplement
la négation du marxisme, mais aussi j'ai compris pourquoi certaines personnes, surtout quand ils faisaient l'analyse des œuvres littéraires, ils ne pouvaient pas faire, ne pas faire la liaison entre le marxisme et ses œuvres littéraires. C'était très difficile de ne pas voir, par exemple, la liaison entre un écrivain comme Julio Cortázar ou comme Marques et leur croyance dans le marxisme. Donc voilà pourquoi vraiment ça ne faisait pas partie de l'histoire et vraiment on n'avait pas encore à quoi les remplacer. Sans doute que maintenant, il y a un certain manque et un certain manque d'idéologie. Parce que j'étais hier au film Diaz, je pense que ce film montre très bien comment est-ce que le manque d'idéologie se peut transformer dans une chose qui devient à la fois violente sans idéologie. Et on se trouve aussi dans un manque d'analyse réelle du marxisme. Et je pense que la troisième partie du livre qui analyse comment est-ce que nous, on avait perçu le marxisme dans l'Europe de l'Est, montre vraiment cette relation entre le marxisme et ce qu'on appelle comme Israël. Et voilà comment est-ce que la doctrine vraiment marxiste refuse droit international, parce que ça, c'est aussi une chose qui est importante. Je me rappelle à l'époque quand j'écrivais avec dans le livre qui était édité par Christian Prédal sur le manifeste du Parti communiste, j'avais trouvé une lettre de Marx à son père où Marx dit à son père qu'il voulait faire de la poésie, mais il était censé de faire le droit. Donc il avait beaucoup souffert à cause du droit. Et je pense qu'on le voit chez Marx, il avait beaucoup souffert à cause du droit, parce qu'il fait du droit, il fait du droit une sorte de suprastructure, donc il éloigne complètement le droit. Et on voit que l'évolution du doctrine internationaliste dans le droit international, surtout dans les années 50, évacue complètement le droit et le droit international du discours. Et par la suite, on fait des efforts à l'intégrer, mais toujours d'une manière très marginale, même chez les gens comme Tunkin qui sont fondamentales pour le droit international. C'est sûr que dans les années 70, la doctrine évolue et devient plus sophistiquée, mais elle n'a pas le même, si vous voulez, emploi que on donne droit, si vous voulez, par les auteurs libres qui viennent peut-être de l'inspiration fondamentale dans le droit qui est sénienne et qui par la suite vient de racines intellectuelles kantiennes. Donc on voit que vraiment c'est une difficulté de prendre en considération le droit international et qui se transforme au fur et à mesure quand même à cause de la guerre froide dans une maîtrise plutôt, si vous voulez, pratique du droit international. Et maintenant je fais encore référence à M. Melechkan parce qu'il avait la chance de contribuer à l'époque à des négociations surtout dans le domaine du désarmement. Donc il connaît comment est-ce que les juristes de l'Europe de l'Est étaient des très bons techniciens du droit, parce qu'on avait tout ce sort de négociations qui devaient se passer. Donc on voit d'une certaine manière que tout au début on avait commencé par une négation, mais par la suite on a dû faire le droit international parce qu'on a fait on avait la guerre froide et par la suite on avait ce type de conflit entre les deux mondes où vraiment il fallait avoir des compétences techniques qui étaient très raffinées et très sophistiquées. Donc ça, c'est une autre chose qu'on analyse dans le livre. Je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à Sylvia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia, pour cette mise en perspective d'un travail intellectuel et d'une réflexion qui n'a pas perdu sa pertinence aujourd'hui, loin de là. En effet, nos étudiants, permettez-moi cette parenthèse courte, nous les encourageons toujours pour leur dissertation de master ou de thèse de se diriger vers la pensée marxiste. Il y a toujours une réticence. Il y a, c'est une méthodologie, c'est une épistémologie, c'est un questionnement historique qui vaut la peine d'être revisité aujourd'hui encore plus qu'au début des années 90, si vous me permettez. Donc je referme cette parenthèse pour inviter le professeur Teodor Melechkanu à réagir à ses propos, à nos propos. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. On m'entend ? Ok.
Ça, c'est important. C'est la personne la plus importante. Oh. Tout d'abord, oui, éventuellement. Parce que c'est mon voisin. Alors oui, on accepte. Tout d'abord, je voudrais féliciter Mme Antoc et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce légume. Les féliciter en même temps, remercier l'ambassade de France, monsieur le conseiller, monsieur le directeur de l'Institut français, pour cette occasion d'avoir un petit échange de vue sur le volume qui me paraît extrêmement important. Pourquoi, de mon point de vue, le volume est très important? Tout d'abord, parce qu'ils essayent d'étudier d'une manière scientifique les questions relatives aux difficultés du droit international sur le public dans les sociétés communistes de l'Europe de l'Est. Et deuxièmement, c'est encore plus important, dans cette salle, je suis le seul qui a appris le droit international public en utilisant un manuel unique qui existait dans l'Europe de l'Est. Le nom de l'auteur est Kojevnikov, russe, soviétique, et qui était le manuel commun pour toutes les facultés de droit dans l'Europe de l'Est. J'ai vu un article d'un ami hongrois qui a écrit une contribution au volume, et c'était la même chose en Hongrie, en Bulgarie et partout. Alors, comme nous sommes formés, et comme nous, à notre tour, nous avons essayé de former d'autres spécialistes dans le domaine du droit et du droit international, en réalité, l'importance du volume en démontant et en expliquant quels étaient les mécanismes, quelles étaient les priorités, quels étaient les principes, nous, bon, il y a une contribution très importante à éviter, disons, la perpétuation des clichés, parfois sans le vouloir, parfois sans le vouloir, dans la transmission de nos connaissances. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous influencés pendant nos études universitaires par nos maîtres, par nos lectures, évidemment. Et il y a une tentation évidente, c'est la base sur laquelle nous travaillons. Et ce volume nous permet vraiment de déceler un peu quel était le mécanisme et nous aidera, j'espère, en continuation, à éviter la perpétuation de certains clichés qui n'ont rien à voir avec la science du droit international public, mais plutôt à l'information que nous avons reçue et à nos lectures. Bon. La dernière observation dans cette petite introduction, c'est sur la faculté des sciences politiques de Bucarest, qui est vraiment, je vous remercie, monsieur le conseiller, qui est un pilier de la francophonie ici en Roumanie, ce qui me paraît tout à fait naturel, étant donné que cette faculté a vu sa naissance comme une faculté francophone, partie de la filière qui, à l'époque actuelle, s'appelait Opel Furef, du système de la francophonie, et que la bibliothèque est dans une grande partie fournie par une assistance internationale. Le nombre des ouvrages français est très grand, et j'espère que même la philosophie et la manière de fonctionner de cette faculté fait de nous, de vous, surtout, qui est responsable du destin, plus ou moins, de la femme, à l'heure actuelle, de la faculté. Vous êtes responsable de sa destinée, hein, voilà. Alors, merci. Oui, c'est vrai, et je pense que nous devons attacher beaucoup d'attention à cette relation. Maintenant, quelle était la plus grande difficulté? Je ne peux pas dire que j'ai lu le volume, mais j'ai feuilleté le volume, alors je peux exprimer quelques remarques, pensées. Bon. Quelle était la grande difficulté du marxisme en ce qui concerne le droit international public?